Sean Bogus. Sean Bogus. Sean Bogus. La maison du bonheur, bonjour, bonsoir. Comment ça va ce soir? C'est Michel Isocel-Collin qui vous accompagne pour une vingtaine, une petite demi-heure, vingtaine, une trentaine de minutes. Et j'ai tellement de choses à vous raconter, tellement de choses à vous raconter. Avant de commencer, toute chose, avant de vous raconter ma première histoire, parce que j'en ai beaucoup. De ce côté-ci, en Europe, c'est les vacances de carnaval. Donc, les enfants sont à la maison, on est beaucoup plus cool, on est un peu plus relâché. Donc, vous me pardonnerez si des fois je tire un peu sur les longueurs, mais c'est parce que je suis en mode vacances. Ceux qui ne le sont pas, en tout cas, j'espère vous apporter un peu de vacances chez vous. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous faire découvrir, parce qu'on est aussi dans la découverte, quand on est dans Gossip Co avec Michel Isocel-Collin, j'aimerais bien vous faire découvrir Brooke Candy avec son morceau Opulence. Si ma réalisatrice Zemzem me suit, dis-tu bonsoir. Bonsoir! Opulence de Brooke Candy. Alors, Opulence de Brooke Candy. Brooke Candy, qui est Brooke Candy? Brooke Candy est une rappeuse que j'ai découvert en faisant des recherches sur Rihanna, dont je vais vous parler aujourd'hui. On a, aujourd'hui et maintenant, on a Rihanna dans le Super Bowl. On l'a eu en Super Bowl, là. Il n'y a pas longtemps, elle a performé. Et bon, il faut savoir que Rihanna, d'abord, elle avait promis, juré de ne plus performer parce qu'elle a eu un souci avec sa maison de disques. C'est-à-dire que Rihanna, on l'a connue avec que des singles, des bangers. Et puis ensuite, elle a disparu. Elle a fait ses albums, elle a disparu. Et puis, elle est revenue en faisant du cosmétique carton. Et là, elle revient avec son Super Bowl. On se demande, pourquoi tu fais pas, nous, on a tous pensé, les gens de la Navy, moi, je suis Beehive et Navy. Les gens de la Navy, entre autres. Les gens de la Navy, ça veut dire le groupe des fans de Rihanna, le groupe de personnes qui suivent Rihanna. Comme j'avais dit, j'ai trouvé un nom pour ceux qui me suivent aussi. Le groupe des personnes qui suivent Rihanna. Elle me fait rire, c'est Zemzem qui me fait rire, c'est mon animatrice, ma réalisatrice qui me suit pendant que l'animatrice par ici, l'animateur par ici fait le fou. Zemzem, bonjour, bonsoir. Ah, je te dirai bonjour, bonsoir encore plus tard dans la soirée, tout le long, parce que ce soir tu me gères. Alors Rihanna a eu, comme tous les artistes à un moment donné, les grands artistes à un moment donné, besoin d'avoir un œil sur ses comptes. Qu'est-ce qui se passe niveau royalties? Et elle a découvert qu'en fait, dans son contrat, son premier album avait généré des sous. Le producteur a pris sa part, la maison de disques a pris sa part, le distributeur a pris sa part, et la part de l'artiste a été réinjectée dans le deuxième album. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle réfléchisse enfin à se dire, mais comment ça se fait que sur mon compte en banque, je n'ai jamais plus de autant, tu vois? Donc du coup, c'est un peu le même coup qu'on a fait à Toni Braxton, le même coup qu'on a fait au TLC, le même coup que Tony Mottola a essayé de faire à Mariah Carey aussi avant son divorce. Elle a juste, elle, je pense, en tant que bien barbadienne, bien sans chaud qu'elle est, elle a juste voulu juste arrêter. Elle s'est dit, vous savez quoi, je vais juste tout arrêter. Je vais tout arrêter. On ne va plus entendre parler de Rihanna chanteuse. Vous me saoulez. On ne s'entend pas. Jusqu'à ce qu'on s'entende, je ne chanterai plus, en fait. Voilà. Je vous dois de l'argent. Bon, bah, attendez, j'ai un petit business, là, qui me promet de me ramener des trucs, des petites billes. Je vais devenir billionnaire. Je vous revends en 3 ans et je vous rembourse tout ça. D'accord? À tout de suite.
Elle a vraiment fait ça comme une vraie boss. Et donc, du coup, voilà ce qui s'est passé maintenant. Et par contre, le NFL, qui est indépendant de tout ça, l'appelle juste en tant qu'artiste, parce que bon, on a Beyoncé qui est partie, comme j'ai dit dans une des émissions précédentes, qui a fait son concert à Dubaï où elle a eu 24 millions d'euros. C'est un peu le même style, sauf que là, c'est une institution, le Super Bowl. C'est un peu comme la Coupe du Monde, si vous voulez, pour nous autres. Infidèle non américain. Voilà, c'est très ironique ce que je dis. Hein. Donc, du coup, elle fait son Super Bowl et on l'attend avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Et cet artiste dont vous avez entendu le morceau Opulence avant, Brooke Candy, est une des chanteuses qu'elle aurait voulu inviter. Elle n'est pas connue, mais elle fait partie de sa petite troupe de nouvelles rappeuses, un peu comme ça, un peu incisive et très, très libérée et douée, en fait, talentueuse. Qui émergent en dessous de Nicki Minaj et des Cardi B, qui sont produites par Beyoncé, elle en a. Beyoncé, elle a Chloé. Rihanna, elle a celle-ci. Brooke Candy. Nicki Minaj, elle a une Croy Leray. On ne sait pas encore qui est-ce que Cardi B a entre ses mains. Mais voilà, c'est un peu. Elles se font un peu la guerre maintenant, comme ça, toutes ces daronnes qui sont un peu fatiguées de pondre. Elles n'ont plus d'aspiration. Donc, elles se font un peu la guerre comme ça. Et cette fille devait faire partie du Super Bowl. Mais Rihanna tombe enceinte après avoir signé le contrat du Super Bowl. Donc, du coup, ils rechangent toute la scénographie. Et il faut que vous alliez voir ça sur YouTube. La scénographie de Rihanna était magnifique. Magnifique. Big up aux danseurs, parce que comme elle a été enceinte, toute son équipe a dû se dire, le chorégraphe, il a dû se dire, vous savez quoi, on va jouer sur le visuel, allez les danseurs, il y en avait combien, 20, mettez-moi 600 tu sais, vraiment, doubler la mise, enfin, non, non, il n'y a pas assez, encore plus, combien, 50, non, j'en veux 100, d'accord, 2, 3, 600, ok, partout, voilà, et les plateformes et le machin, je ne sais pas comment ça avait été prévu à la base, mais la recorrection a été très vite faite. Je vous invite donc à regarder le Super Bowl de Rihanna sur Internet, parce que sur YouTube, c'est magnifique, et entre-temps, moi, je vous fais rappeler Rihanna, redécouvrir Rihanna avec Rude Boy, s'il vous plaît, ZemZem, si vous êtes en place. Alors, Rihanna, Rude Boy, voilà. Et alors, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses sur la planète People, parce qu'il y a eu donc Rihanna qui a fait son Super Bowl dont on a parlé, mais il y a eu aussi après Beyoncé, donc sa sœur, Beyoncé, après Beyoncé Dubaï, ou après Beyoncé Grammy Awards, beaucoup gagné, oui, il y a eu la petite controverse concernant Beyoncé qui implique Diplo. Alors Diplo, en fait, c'est un DJ, un sombre DJ, un peu sur la veine des David Guetta, qui ne mérite même pas que je passe ces morceaux ici, parce que c'est du boum boum tac tac comme tous les autres. Donc voilà, et DJ Diplo était le copain, à un moment donné, il a été connu, il est arrivé sur la scène mondiale parce qu'il a été le copain de Katy Perry. Katy Perry, I kissed a girl and I like it. Voilà, celle-là, voilà. Même moi, je la chante faux parce que même c'est même pas chanté juste. Donc Katy Perry qui fait connaître Diplo du au jeu des gens, Diplo qui travaille avec Beyoncé sur End of Time et sur Run the World. Donc voilà, donc ils sont potes, et pendant
la cérémonie des Grammy Awards, il y a un moment donné, quand Beyoncé gagne l'album de l'année pour lequel Diplo était aussi nominé, Diplo est avec un ami à lui, donc il se lève, il applaudit comme ça, et puis il dit à son ami un truc, mais bon, il y a les gens qui lisent sur les lèvres maintenant, dans les gens des réseaux sociaux, tu as vraiment des gens, dans les trolls et dans les fans, dans les haters et les lovers, tu as les gens qui lisent sur des lèvres, c'est-à-dire qu'en fait, il arrive à lire ce que tu dis à ton ami sur des lèvres, donc il aurait dit à son ami, they bought it. They bought that. Ça veut dire, ils l'ont acheté. Donc, entre guillemets, sous-entendu que Beyoncé aurait, et Jay-Z aurait acheté, l'award, en fait, la place de vainqueur de cette catégorie-là. Voilà. Donc, ça fait un petit tollé. D'abord, les fans en parlent enfin entre eux, et puis finalement, ça passe à la télé, et puis finalement, les talk showmen reprennent ça et tout ça, machin. Donc, ça fait un petit tollé. Et, Diplo a besoin de s'expliquer, en fait. Donc, il passe dans une émission, qui s'appelle Hollywood Unlocked. C'est, sur Internet. C'est un podcast, un peu comme ça, comme le mien, mais lui, il reçoit du monde. C'est un peu un podcast, une interview, comme ça, talk show, si tu veux. Et donc, du coup, il passe dessus et raconte en fait que lui était juste content. Il disait « I am very happy to be a part of that ». Et eux, dans les lèvres, ils ont lu « They bought that ». Et en fait, ça se tient. À moins que lui ait dû faire une étude, tu sais, linguistique comme ça pour savoir « Non, quel mot je dois placer dedans, machin ». Je pense que ça se tient. Et c'est encore une fois, comme d'habitude, un espèce de brouhaha pour rien, comme celui de Papi Mboma, un autre brouhaha pour rien. Papi Mboma, apparemment, il y aurait une histoire. D'abord, il y a un monsieur très moche que j'ai vu sur mon téléphone avec des dreads, mais très, très moche le monsieur qui a l'air un peu effébillé comme ça, mais très moche. Je suis vraiment même honteux de pouvoir dire que cette personne fait partie de la LGBTQ parce qu'il était très moche. Et il est là comme ça en train de diffuser des rumeurs sur Papi Mboma en disant que Papi Mboma serait homosexuel et que c'est pour ça que il n'arrive pas à coucher avec sa femme et que l'engin matrimonial... l'engin phallique matrimonial ne marcherait pas, et voici, voilà, voilà. Alors après ça, donc il y a ce connard déjà qui dit, j'ai bien dit connard, ce connard qui raconte ce genre de conneries, et puis ensuite, il y a des personnes sur Internet, là, qui se disent journalistes, qui vont glaner des infos chez des personnes qui n'ont jamais vu, même comme ça, de vrai, de vis-à-vis, comme ça, qui n'ont jamais vu, mais qui vont glaner des infos, et maintenant, on arrive à raconter le fait, la version selon laquelle sa femme aurait été infidèle, sortirait avec un homme que lui connaît, et donc, il y a eu des vidéos, dans des audios, des messages audio entre la femme de Papi Mboma et cet homme-là, qui aurait été diffusé. Cette femme a été épousée par Papi Mboma parce qu'apparemment il l'aurait mise enceinte ou ils étaient obligés de l'épouser parce que je ne sais quelle raison. Toutes ces histoires en fait sont des histoires, j'en parle juste parce que je ne veux ne plus en parler. Parce qu'en fait ce sont des histoires du brouhaha qui ne sert à rien. Papi Mboma est là devant nous pour nous divertir. C'est-à-dire qu'en fait non, lui est le canal par lequel les autres nous divertissent. Okay, donc c'est un animateur qui va venir prendre une star, lui poser des questions, nous faire des insights dans la vie privée de la star. C'est son rôle à la télé. Ce qu'il fait dans sa vie privée, on s'en contrefiche. Un peu, beaucoup, en fait. Ce n'est pas notre problème. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Il y a eu à un moment donné la vague des sex tapes, des personnalités publiques congolaises. Je trouvais ça dommage. Je trouvais ça triste, en fait. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on parle de la vie sexuelle de ces pauvres personnes? Pourquoi est-ce que même on doit commencer à s'imaginer, bon, ce n'est pas ton boulot. Le boulot, ça, c'est le boulot d'une influenceuse, c'est le boulot d'une Kardashian, d'une Hilton, c'est pas le boulot d'un animateur télé. S'il n'a rien à nous dire, s'il n'a personne qui l'a interviewé, s'il n'y a personne, il n'a rien fait selon son boulot qui mérite qu'on en parle, pourquoi est-ce qu'on en parle? On pourrait juste arrêter d'en parler, s'il vous plaît. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la soirée. Et avant de finir, avant de m'en aller, je vais quand même... j'aurai un petit coup de gueule après ce morceau. Mais d'abord, la bonté, le bonheur d'écouter Koffi Olomide, s'il vous plaît, sur un nouveau morceau que j'ai pré-écouté, donc je vais le découvrir avec vous, qui s'appelle « Oh là là, Zemzem, s'il te plaît ». Yalelo David Mongaya. Yafani Gis, Tchatcho d'origine, nouvelle saison, le Bolo King, le maître de double demeure. Quand on regarde
charme mon cœur. Mais ils demandent pour larmes de joie et de faire un détour sur mes joues. Face au moté manangaï, j'irai à David Mangaya. L'amour que mes yeux n'ont pas vu, mais que je cultive dans mon cœur. La plongée, mon être, naïbalia bolima David Mangaya. Fondation DMT plus forte. Négociation que campo pour éviter panique non mon qui va au bac mouillé découché salamigoya potenaïo les tiocas ton amour heureux mon cœur verticalement épanoui horizontalement Christian tu sais qu'il est le baron oui au floraison yabilenginga ifani naza chanceuse Anthony Watchin sourire naïo et séduisant ma chaste ma mélo ma commande tentation. Le maître de double demeure, nouvelle saison. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Yako la la, Pongina li peka nangaye. Spice Boy, David Beckham, Cisco Molongo. Kaya kaya mosha. Zonga noki, ba vieux schéma ya mawa. Et pour lui, we mouté mananga ou petola. Avec tes baisers sur toutes les parties. Cette doléance n'a pas la bâtiroire, y'a battel pour naïo. Mathilde Sandoukou. Olimbo naïo, ils a richesse au nanga. Oui, on a testament, koko makaka komo nangaï, mais comme héritière, malgré que naï les moués. Déborah Bongina, général. Kofi Olomide, avec Oh là là. Elle est pas mal la chanson, hein. Elle est vraiment, elle est pas mal du tout en fait. Elle est. Bon, écoutez, c'est un peu ce qui, c'est un peu ce à quoi il nous a toujours habitués, hein, du Kofi Olomide, de la rumba, il parle d'une femme qui s'en va, qui revient, ou lui s'en va, revient, ou c'est un amour impossible et qui devient possible grâce à cette fameuse voix, de velours. Écoutez, il y aura pas de rubrique musicale sur Kofi Olomide aujourd'hui, mais j'avais juste envie de faire écouter ce morceau parce que je l'ai fait découvrir et c'était le but de mon gossip aujourd'hui, faire un peu découvrir ce que moi je vois en vacances, j'écoute en vacances et mes coups de gueule, mes coups de cœur et mes coups de gueule. Voilà, voilà. Et j'en profite pour faire un petit saut chez Lidlist Nike, vu que je parle de son papa. Il y avait cette histoire aussi dont j'ai parlé la fois dernière, de famille qui aurait dû rester privée, le linge sale comme d'habitude. Entre Didison et son père. Maintenant, on la voit faire ses. Alors, il faut quand même faire un petit récapitulatif sur qui est Didison. Moi, cette fille, je ne lui trouve aucune légitimité. Ce n'est pas de la jalousie, c'est vraiment pas ça, parce que je n'aurais pas être la fille de Kofi Olomide, ni son fils, ni même personne d'autre de sa famille. En fait, personne. C'est juste qu'en fait, je me dis. Alors. Il paraît qu'elle est mannequin à L'Oréal. Je dis bien, il paraît. Il paraît qu'elle est mannequin à L'Oréal. Il paraît qu'elle est. Ambassadrice pour je ne sais quelle autre marque de cheveux, enfin de trucs pour cheveux. Il paraît que Instagram l'a mise. Ah non, ça c'est pas elle, ça c'est la danseuse Jenny Bosengue. C'est encore un truc aussi, voilà, le même genre de femme. Il paraît que elle est top modèle. Il paraît qu'elle défile. Je l'ai vue sur un défilé de mode et c'était pour la marque Etam, d'accord? Etam en fait. Enfin voilà. Je veux dire, on ne l'a pas vue chez Gauthier, on ne l'a pas vue chez Roustin, on ne l'a pas. Voilà. Donc je me dis que si elle a ses millions de followers, son million et demi de followers sur un truc comme ça, c'est largement grâce à la fanbase de son père qui était curieuse de voir, qui a été curieuse de voir ce que faisait la fille de leur idole, en fait. Donc rien que pour ça, je pense que cette fille devrait, et puis je vais me taire sur son sujet, cette fille devrait vraiment avoir juste le respect de ne pas parler ou même pas de même pas envoyer de sobriquet à son père en public. Si elle est impolie envers son père, on veut pas le savoir. Si elle est ingrate, on veut pas le savoir, en fait. C'est-à-dire que t'as envie de la gifler, t'as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous, en fait, meuf? Qu'est-ce que tu fais? Bon. Pour Diddy Stone, c'est passé. En parlant de ceux qui, qu'est-ce qu'ils font? Le dernier dont je vais parler, c'est Pierre Palmade. Est-ce que vous voyez qui c'est Pierre Palmade? Pierre Palmade, on me dit qu'à force d'en parler, je deviens barbare, mais le truc, c'est que Pierre Palmade, c'est quand même cette espèce d'institution, c'est une star, c'est un acteur comique, écrivain aussi à ses heures, français, que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, que tout le monde respecte. Ancien mari de Véronique Sanson, à l'époque où il était hétéro,
Depuis qu'il est devenu gay, on ne lui connaît aucune femme, certainement, ni même aucun mari, évidemment, parce que les gays sont très, très volages. Et on apprend récemment, on ne lui connaît pas non plus, on ne lui connaît aucun film récent. C'est-à-dire qu'on ne l'a vu nulle part récemment, en fait, ni dans une pièce de théâtre, ni à la télé, ni même à la radio écoutée, ni même en single sorti une chanson, rien du tout, en fait. Et là, quand on reparle de lui, c'est pour cette affaire scabreuse où il aurait eu un accident, où il a eu, même pas aurait, il a eu un accident de voiture dans lequel il a tué un fœtus. La maman de ce fœtus, le papa de ce fœtus et le frère de ce fœtus ou la sœur, je ne sais plus, c'était un homme, un garçon ou une fille, l'enfant qui était dans la voiture, sont tous dans le coma. Lui était dans le coma, il en est sorti et Dieu merci, il peut nous expliquer et nous dire un peu ce qui lui est passé par la tête. Je pense que ça va arriver parce que tous les jours sur les infos, on parle de lui, on nous bassine avec lui. Pierre Palmade, Pierre ceci, Pierre ça. Donc, en fait, Pierre Castor, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, Pierre Castor, raconte-nous une histoire. Enfin, et son histoire, elle n'est pas du tout rigolote parce que ça implique de la drogue, ça implique beaucoup de mauvaises décisions, de prises de risques inutiles. En fait, il était en soirée avec des gens et il a pris la route pour partir de chez lui et aller se prendre quelques ustensiles dont il avait besoin pour ingérer son produit stupéfiant, n'est-ce pas? Et donc du coup, sur le chemin de cette épopée, il est rentré en collision avec une voiture et donc le fœtus mort et ces trois personnes d'une même famille dans le coma. Voilà, très ridicule, très très inutile comme tu sais, raisonnement, comme action, on te dit, bon, tu sais, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? J'irais bien tuer trois personnes et un fœtus. Enfin, moi, je me dis, quand ces personnes rentrent tu fais la fête. D'abord, t'es une star, t'es une personne connue dans le monde entier. Tu dois être un minimum narcissique. Qu'est-ce qui te pousse à aller dehors, pas dans ton état normal, avec deux personnes louches, faire des courses en pleine journée, même pas un dimanche, en pleine semaine, enfin vendredi matin, enfin pourquoi en fait, pourquoi tu fais ça en fait? Ok, d'accord, tu aurais peut-être eu besoin d'avoir un petit ravitaillement de X ou de Y chose, d'accord, t'as le droit de faire ce que tu veux en taille privée, d'accord, à partir du moment où tu prends des risques qui impliquent les autres et que du coup pour le coup tu les as, les autres ont été impliqués en taille privée malgré eux, il y aura toujours des petits connards comme moi qui vont venir te poser des questions un jour ou l'autre en te disant dans leur podcast, mais Pierre Palmade, du haut de ta carrière bien accomplie, et moi de la mienne commençante et très, très sombre, comment on dit ça là, foggy, dans le brouillard, qu'est-ce que tu fais? Même, I don't know if I'm relevant to ask the question, mais tu me rends relevant, tu vois, parce que tu es là à faire tes conneries, et donc du coup, on en est tous un peu témoins, et on a envie de te poser des questions, parce que maintenant, c'est ça les réseaux sociaux, c'est ça Internet, c'est ça ce tribunal. Ouvert à tout le monde, tribunal public en fait, on peut tous venir te poser des questions et te dire, mais dis donc, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait cela? Et est-ce que tu penses que tu as raison de faire ça? Regarde ce que tu as fait. Voilà, on peut tous faire ça maintenant. Entre-temps, moi, je vous dis bonsoir, au revoir, bonne nuit, bonjour, bonne continuité de journée à tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui et à très vite pour la prochaine. Je n'en peux plus de pouvoir attendre déjà la semaine prochaine car ça va être la semaine de mon anniversaire. Ah non, c'est cette semaine-ci. C'est cette semaine-ci que ça a été mon anniversaire. Et la semaine prochaine, ça va être la continuité de mon anniversaire. Donc du coup, je n'en peux plus d'attendre la semaine prochaine pour vous raconter ce qui s'est passé à mon anniversaire. Je vais certainement rencontrer plein de monde. Je compte rencontrer des gens intéressant et tirer des gossips intéressants pour vous les raconter. Entre temps, bonne nuit, bonne soirée, à très bientôt de la part de Isocel, Michel Coulin. Bye bye. Check my technique. Coming from my technique. You wanna feel my technique? It's pure. Bad bitches to the left. Money bitches to the right. You can be both, meet in the middle, dance all night. Take it all off, or just a little if you like. It's pure. It should cost a billion to look this good. Oh yeah.
But she make it look easy, cause she got it. Check my technique. You can find the one when the tempo good. Wanna touch my technique. Four, three, two, fucking busy. That's my technique. That's my technique. Bad bitch, Isu, right and left cheek.